Tu veux me soutenir tout en ayant tes jeux moins chers? Clique sur le lien dans la description et fais-toi plaisir. Et salut à tous les amis, c'est Nico, bienvenue sur la chaîne et bienvenue à vous pour cette nouvelle série, donc nouvelle série sur LEGO Jurassic World. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bah écoutez, on va faire la suite. Aujourd'hui c'est un nouveau mois. Bon d'accord, il y a eu 9 épisodes le mois dernier au mois de septembre. Donc du coup, bah le dernier épisode de Jurassic Park est arrivé au moment du début du mois. Mais bon, c'est pas très grave. On est presque à un film à mois. Donc nous avons fait le premier film de la franchise, donc Jurassic Park. Donc là, nous allons partir sur The Lost World, donc le monde perdu. Donc il faut prendre l'hélicoptère, je pense, pour aller à The Lost World. Donc on est parti. J'espère qu'en tout cas, vous allez bien. Moi, ça va super nickel. Moi, ça va, tranquillou. Alors, je le rappelle, dans le petit en haut à droite, il y aura la playlist du film précédent. Voilà. Et à partir de l'épisode 2 de ce film-là, il y aura le... Comment ça s'appelle ? L'épisode précédent, etc. Le professeur Malcolm. Bon. Vous venez échanger des souvenirs du bon vieux temps avec mon oncle ? J'y étais, je sais ce qui s'est passé, et vous aussi. InGen est sous ma responsabilité maintenant, professeur. Je défendrai jalousement ses intérêts. Là, vous aviez raison et j'avais tort. Vous vous attendiez à m'entendre dire une chose pareille ? Isla Nublar n'était qu'une vitrine destinée aux touristes. L'usine était sur le site B, qui était sur Isla Sorna. Il y a quelques semaines, une famille anglaise, lors d'une croisière, est tombée par hasard sur l'île. Les administrateurs se servent de l'incident pour me retirer le contrôle d'InGen. Bon, d'accord. Eh bien, il y a une autre île avec des dinosaures, sans clôture cette fois-ci. Et vous voulez envoyer des personnes dessus? Je vais avoir besoin d'un vrai dossier photo de tous ces animaux. Vous n'avez pas contacté Sarah? Elle sait parfaitement ce qu'elle fait. Et l'équipe de recherche va... Ce n'est plus une expédition de recherche maintenant, c'est une équipe de sauvetage. Et elle part maintenant. Tu ne peux pas raccourcir le délai de 3 jours et me demander que tout soit prêt. Je ne suis pas approvisionné. Je n'ai pu tester aucun de ces appareils. Ok. Bon. Alors voilà. Donc on est au tout début du film 2 avec Ian Malcolm et avec. Je ne sais plus comment il s'appelle notre cher ami. Eddie Carr. Oui, voilà, c'est ça. Hop. Alors, bah, on y va. On va commencer à ramasser les pièces. Tu vois, on va jouer avec Ian. Allez, ouais. Le scientifique dégénéré. Alors, on va se balader un petit peu. Hein, comme dans les Lego. Hein. Alors. Je me suis rendu compte qu'il fallait pas que je me casse la tête, en fait, à essayer de tout avoir tout de suite. De toute façon, il y a plein de trucs, des mini-kits et tout, qu'on peut pas avoir tout de suite, parce que, ben, il faut le faire en jeu libre. Donc, du coup, je me dis que, bon, voilà. Faire un petit peu cassé pour voir s'il n'y a pas des trucs secrets. Je pourrais vous aider. Yann peut... voilà, s'occuper des équations compliquées. Alors, X. Non. D'accord. Ah, à mon avis, ça va être... Donc, X. X. Voilà. Ok. Faut juste que je comprenne. Bon, par contre, vous voyez, là, il construit pas encore vite. Si c'est comme dans les autres Lego, il y a des trucs où tu peux... gagner des bonus avec les pièces d'or d'ailleurs pour acheter des trucs de rapidité et tout. Donc, ouais, que je vois s'il y a une espèce de boutique comme ça. Oh. Alors, B. Ah oui, il faut quelle couleur? Non, c'est pas ça.
Ah, il faut faire du verre peut-être, non? Oui, il faut faire du verre, donc il faut du jaune. Voilà. Et il nous faudra du bleu. Non? C'est quelle couleur? Qu'est-ce qui coince là-dedans? Ah. Il y a quelque chose qui coince. Je ne sais pas. Alors, on va prendre Eddie parce qu'il faut tirer sur les cibles. Hop. Mais je t'ai demandé d'aller tirer là-haut. Non, il est trop près de la voiture, je pense. Voilà, c'est ça en fait. Y. Faut avancer où? Ah bah là. J'avais juste un gonflage à moitié sur ses pneus, les gars. Très bien. Hop. Hé hé. Impeccable. C'est pas complètement inutile. Voilà. Donc les gars vont monter les roues. Ouais, c'était bien du verre hein, qu'il fallait pour la Jeep. Mais il doit y avoir quelque chose qui va pas en fait. Une écharpe. Ouais, c'est ce que j'allais dire avec un pneu. Ok, donc première Jeep de prête. Ah ouais, donc il faut préparer les autres. Alors attendez, on va regarder ce qu'il faut là. Regardez si on peut casser tout ce merdier. Hop. Et encore ça. Ah, la deuxième, elle est capoute là-bas. Faut regarder, il y a des trucs à casser certainement pour faire le moteur. C'est une grande chance. Et il y a le truc à peinture là-bas. Donc faut voir c'était quoi comme peinture qu'il fallait. Alors. Vous voulez pas essayer? Ah, les ingénieurs avec. Ok, donc faut prendre Eddie. Ok. Dites, vous voudriez pas une clé? Je me servais d'un marteau. Je comprends mieux. Et voilà, je crois que la deuxième est prête. Elle ronronne comme un château. Un gros château. Bah, en même temps. Bon, pour la petite histoire, faut savoir que c'était des modèles à l'époque des classes M modifiées exprès pour le film. Non, ouais, des classes M de Mercedes, exprès modifiées pour le film. Donc, c'était plutôt pas mal. Ah, la peinture, qu'est-ce qui va pas? Il n'y a pas une trappe à ouvrir ici, là, on dirait. Ah, c'est bizarre, ça. Hop. On peut pas monter en haut du placard. Oh. Donc, alors... Ah! Voilà, il fallait sauter dessus, en fait. Ah, il fallait le mettre en vert et sauter dessus. Ouais, d'accord. Ok. Bon, bah, au moins, vous le savez. Si vous voulez faire le... Le début... Ouais, mais j'aimerais récupérer toutes les pièces. Ah, bah v'là. Merci de m'avoir prévenu. V'là Nick. Nick Van Owen, voici Ian Malcolm. Nick est notre photographe. Et Ian est notre. Ian. Voilà, donc on vient de débloquer Nick, donc le photographe de terrain. Alors attendez. Ce que j'aimerais, c'est récupérer toutes les pièces. Hop. Alors, faut, maintenant, faut préparer le van. Ah, bah là, on peut construire des trucs, je crois. Ah, non, ça sera un archéologue qu'il faut, là. Quoi, un paléontologue, ou je sais pas, ou... Voilà. Oh, une seconde. Je sais que j'ai les clés quelque part. C'est pas ça? Hop, voilà. Et Nick, avec le pied de biche, il peut tout défoncer.
Pour ceux qui auraient déjà vu le film, vous savez pourquoi. Hein, c'est un de ces de terre d'abord. Vous sauriez, vous, comment déplacer ce truc sans se faire un abago? Ah, si seulement j'avais pas ramené ce coup de charge à la maison pour bouger. On boit pas le café. Hop, impeccable. Hop. Alors du coup il y a la grue ici, Y. Voilà, on va réparer. Hop! Et au moins, on a les caisses qui arrivent. Et il faudra tirer dessus justement avec notre ami Eddie et son fusil. Hop! Et là, on peut pas parce que c'est l'archéologue qui peut faire ça. Hey, les consignes de sécurité, ça te dit quelque chose? Non, rien à... on s'en fout des consignes de sécurité. Voilà, donc là on va se faire une espèce de manivelle pour pousser. J'aurais jamais pensé à faire ça. Heureusement que je suis là, hein, si tu penses pas. Hein. Allez, on y va. C'est ça, poussez encore. Voilà. Ok, stop, c'est en place. Merci. Ah, voilà le cache en l'air. Il monte et il te cache. Voilà. Avec les dinos, ça risque d'être un mort en l'air. Mais non, oh, tout de suite. Hop. Alors, bien sûr, quand j'aurai fini la saga des Jurassic Park, on se fera d'autres sagas, d'autres films. J'ai plein de jeux Lego comme ça. Et je pense que ça devrait vous plaire. En tout cas, moi, j'ai envie de faire ça. Ça me plaît bien. C'est rigolo. On peut retracer un petit peu l'univers de plein de grandes sagas, de grands films et tout. Non, oups. Voilà, un mini kit. Hop. Ah tiens, une espèce de cible là-haut. Est-ce que c'est une cible? Non. Ah, là on peut grimper, mais il faut un personnage qui saute assez haut. Et normalement, il n'y a que les filles qui sautent là. Assez haut. Alors là, normalement, c'est Nick. Hop. Voilà. Donc on peut passer par là. Est-ce que j'ai rien oublié avant de partir? Ah oui, il faudra aussi passer avec des petits, je pense, parce que regardez là-haut, il y a plein de trucs à récupérer. Ça, c'est que faisable en jeu libre. Non, on peut rien récupérer d'autre. Allez, donc on y va. Oh là, là-bas derrière, il y a plein de bordel. J'adore les dialogues qu'ils ont fait, franchement, en mode délire. Hop. Ah oui, il faut tout construire ici. Ok. Alors, j'ai déjà récupéré tout ce que je peux en pièces. Hop, on fait un peu le tour, comme ça. Ah, peut-être que derrière, il y a des pièces cachées, des pièces bleues qu'on voit pas. Eh oui. Souvent, c'est comme ça. Et je vais encore me prendre plein de... Comment ça s'appelle de... d'alerte de droit d'auteur parce que, bah voilà, les musiques. Ah, attendez. Voilà, donc on va finir ce bout de plateforme ici. Voilà.
Nickel, donc du coup Nick il va aller Eddie pardon, il va aller réparer l'ordinateur. Il t'aimera quand tu bichonneras, je le bichonnerai quand il fonctionnera. Hop, B. Voilà. Impec. Donc faudra amener le toit là-bas. Voilà. Voilà. C'est pas évident de l'orienter. Voilà. Kelly. Oh, Kelly, ma chérie, t'as trouvé, t'as été long. Désolée, je trouvais pas de taxi. Oh, c'est pas grave, ma puce. Le cochon. Écoute, il faut que je te dise quelque chose, il faut que je te parle. Et d'abord, où est-ce que tu vas? Oh, c'est juste pour quelques jours. Je n'irai pas si ce n'était pas, si ce n'était pas. Professeur Malcolm. Ils sont vraiment. C'est trop cool. Touton, ton, 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 ton. Le cochon, il est là dans tous les épisodes, lui, pour l'instant, j'ai l'impression, dans tous les films. Et voilà, en tout cas, moi, je vais m'arrêter là pour ce premier film. On va laisser la petite démo. Un localisateur dans le téléphone par satellite du professeur Harding. On a une lecture. Et on continuera la suite après, hein, tranquillement. Voilà. Et ben, pour retrouver le professeur Harding et continuer l'aventure, donc je vous invite à suivre la chaîne, hein, à vous abonner si ça, si ce n'est pas déjà fait, à mettre le petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. En tout cas, la playlist du film précédent sera dans le petit i. Et on se retrouve dans 2 jours, comme j'avais fait pour Jurassic Park. On se retrouve dans 2 jours pour la suite de nos aventures sur Lego Jurassic World pour le film Le Monde Perdu. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Portez-vous bien.